Je suis ici à Medjugorje, je suis avec... Comment tu t'appelles? Marie Lolita. Tu viens d'où? De l'île Maurice. L'île Maurice, waouh! J'habite en Belgique. Waouh, incroyable. Et où tu as entendu la première fois de Medjugorje? Oh, aussi avec Malika, mm-hmm. et aussi avec des jeunes gens mm-hmm. qui viennent de René, mm-hmm. dans les groupes de prière, mm-hmm. qui parlaient souvent de Medjugorje. Uh-huh. Et le plus beau de cela, il y a 6 ans, uh-huh. que j'ai prié avec la Sainte Vierge Medjugorje, uh-huh. et que je ne savais même pas que c'était elle. Oh. Je viens uh-huh. de la découvrir parce uh-huh. qu'elle m'a appelé uh-huh. de venir ici, de rendre une visite. C'est comme ça, quand j'ai vu les photos, j'ai uh-huh. dit ça y est, c'est elle, Medjugorje. Ben écoute, ça me fait tellement... il y a 6 ans que j'ai pas dans mon cœur, uh-huh. je ne savais même pas que c'était elle. Uh-huh. Ben voilà, je suis arrivée d'ici, mais chapeau, hein. Uh-huh. Ce que je demande à les gens de prier. Uh-huh. Prier, prier. Si elle, maman Marie, nous demande de prier, uh-huh. mais il faut le faire. Parce qu'il y en a quand même beaucoup de choses qui se passent uh-huh. que les gens ne le voient pas. Quand on prie, maman Marie nous aide. Il nous aide de voir la réalité en face. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent. Qui souffrent, mais qui ne vont pas mm-hmm. vers maman Marie. Mm-hmm. Qui préfèrent de se mettre dans l'alcool, mm-hmm. qui se met dans l'amusement au lieu de prier. Et dans la prière, on voit beaucoup de choses. On comprend beaucoup de choses de la vie. Beaucoup, beaucoup. Mm-hmm. Beaucoup, énormément même. On reçoit des réponses aussi, nos questions. Non, on n'a pas de réponses. Comment? Exactement. Non. Mais on reçoit des réponses, réponses de Dieu. De la grâce, il oui. est toujours avec nous. Exact. Il nous protège. On a toujours de la grâce. Il y a quelques jours, j'en ai fait la procession. Mm-hmm. La procession, oui. j'ai fait le chemin de croix. Je fais le chemin de croix, que je n'ai jamais fait le chemin de croix uh-huh. comme ça. Uh-huh. Le chemin de croix à pied, pieds nus. Uh-huh. Quand j'ai vu tout ce monde de cailloux, j'ai dit je ne vais pas arriver. Uh-huh. Mais je suis arrivée. Uh-huh. Je suis arrivée quand j'étais en train de lire le message de Dieu. Chaque station, c'était pas moi, chacun son tour. Mm-hmm. Mais je me suis fait attaquer par des guêpes. Mm-hmm. Je me suis fait piquer. Mm-hmm. Mais je ne suis pas arrêtée, je continue de prier. Mm-hmm. Mais pendant que j'ai prié, je n'ai même plus senti la douleur. Et c'était parti la douleur. Mm-hmm. La foi, c'est ça, il faut prier. Mm-hmm. C'est Dieu qui nous donne la foi. Amen. Incroyable. Et qu'est-ce que tu dirais aux gens qui ne connaissent pas Medjugorje? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ils devraient venir ici? Qu'est-ce qui est ton spécial? C'est maman Marie qui l'appelle. Parce que maman Marie, maman Medjugorje, mm-hmm. elle est partout. Mm-hmm. Elle est dans votre maison. Mm-hmm. Elle est sur la rue. Mm-hmm. Elle est partout. Elle est pressante ici, tu veux dire. Oui, elle est partout. Ah. Mais c'est vous maintenant qui devez aller vers lui, mm-hmm. vers elle. Ouais. Et elle, alors en ce moment-là, elle vous accueillir mm-hmm. et elle montre sa présence. Mm-hmm. Merci pour cette très belle interview.